Bonjour, c'est Julie. Je vous propose aujourd'hui un podcast sur l'histoire de la Tour Eiffel. Je vais parler lentement. Vous avez la transcription en même temps. Après le podcast, je vous proposerai un exercice de vocabulaire. La Tour Eiffel a été inaugurée après 2 ans et 2 mois de construction, le 31 mars 1889, pour l'exposition universelle. Cet imposant monument devait être le symbole des progrès industriels et scientifiques réalisé au XIXe siècle. Gustave Eiffel présenta le projet en 1885. Il finit 3e du concours, ce qui signa la construction de la tour. Plus de 300 ouvriers travaillèrent à la construction de la tour. Les critiques furent nombreuses. On ne comprenait pas son utilité et on la trouvait inesthétique. Certains avaient peur qu'elle tombe. La mairie de Paris, devenue propriétaire de la tour Eiffel, projetait de la détruire après 20 ans d'exposition. Mais des recherches scientifiques et l'installation d'une antenne de téléphonie sans fil en 1903 ont fait stopper le projet de construction. C'est aujourd'hui le monument payant le plus visité du monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, exercez-vous. Trouvez dans le texte que je viens de lire les mots synonymes correspondant aux définitions ou mots suivants. Je vous mets la correction tout à la fin de la vidéo. Bon courage et à très bientôt.